Ah ah! Hé 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 hé! Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Hé hé! Femme, femme! Où est-ce que tu amènes ce garçon? C'est à toi que je parle! Viens, garçon! Ah ah! Ou bien c'est quoi? Ah ah! Bonjour, mon oncle. Comment tu vas? Je vais bien. Comment va ton père? Mon père est à la maison, il va bien. Et ta mère? Elle va bien. Il est là? Oui, c'est ça, il est là. Il s'apprête à sortir. Oh, il s'apprête à sortir? Oui. D'accord, s'il te plaît, dis-lui que je viendrai le voir ce soir. N'oublie pas, ok? D'accord, compris. Merci, mon oncle. Sois prudente. Ah, ouais. Bonjour, mes aînés. Comment tu vas? Bien, merci. Ça, merci, ma fille. La fille d'Ndoka. Je ne savais pas. À vous voir aussi, aussi pressé. J'espère que la réunion n'est pas urgente. Ah, salut, chef Lazarus. Ah, il n'y a aucune urgence. En fait, nous sommes en retard. Oh, ouais. Comment ça, en retard? C'est une compétition de boxe pour tous les premiers-nés du village. Ça se joue entre 5 ans et 25 ans. Tu ne peux pas comprendre? C'est vrai, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas grave, je ne peux pas comprendre. On doit partir, tu vois. Mais je te promets de tout rapporter l'histoire à ma femme. Hein? Nous allons te raconter toute l'histoire. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. Bye.
Chef Lazarus. Du calme. Hein? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ok? Je te le dis, aujourd'hui même, que tu auras deux fils. Ouais. Dans le pire des scénarios, tu auras un garçon. Je veux dire que tu auras un fils aujourd'hui. Namiko, Nem, s'il te plaît, apporte de l'eau. Maman. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que ça va? Mia, tu sais, il y a des femmes très fortes là-dedans. Oui, mais es-tu sûr qu'elles vont le faire? Je me demande pourquoi tu refuses qu'une autre sage-femme assiste. Écoute, maman, c'est parce que je te fais confiance. Je te fais assez confiance, s'il te plaît. Vont-elles s'en sortir? Bien sûr, s'il te plaît. Je dois y aller maintenant. Je suis départagée entre ces deux femmes et ce n'est pas évident. Je dois partir. Essaye de te calmer, hein? Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Tu auras un fils aujourd'hui. Au plus, il y en aura deux. Tiens. Ouais. Que Dieu t'entende. Tu sais, c'est ma prière. Allez, mon frère, ne t'inquiète pas. Ne te dérange pas. Ça va arriver. Tu vas voir ça arriver. Je devrais peut-être aller là-dedans. N'y va pas. Maman est là-bas. Maman, j'espère qu'elles vont bien. Bien sûr. Maman, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Maman, s'il te plaît, parle-moi. Dieu t'a béni avec deux petites filles. Homlua est un maé. Homlua est un mohé. Douna kakolon kum kako. Homlua est un mohé. Na. Hababom naba. Na, on a connu nos sonnons et moi. Hein? On dit qu'on doit se réjouir de tout ce que le Seigneur nous donne. Hein? Oh quoi, autour de Yao, il y en a qui recherchent des enfants. Et toi, Dieu t'a béni avec deux filles. Na, réjouis-toi, oh. C'est bon. De jolies petites filles. Agonabo. C'est bon. Na, kakukochubo. Bien le bonjour ici. Oh. Ah, c'est toi qui fais la lessive? Où sont passées les filles? Peut-être que je me trompe. Ça ne fait pas à peine un mois que tu as donné naissance. Jusqu'à présent, vous n'avez invité personne pour la célébration de voir bébé. Ou alors parce que ce sont des filles? Titoro, combien de fois t'ai-je appelé? Titoro, fiche-moi la paix. Comme tu peux le voir, nous sommes en train de faire nos tâches quotidiennes. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-nous tranquilles. Pour ton information, nous avons fait notre célébration à huis clos. Dis-lui. C'est la raison pour laquelle tu n'as rien entendu. Donc, laisse-nous tranquilles. J'ai pas de mauvaises intentions. Et qui t'a dit que tu avais des mauvaises intentions? J'ai pas de mauvaises intentions. C'est juste qu'en tant que voisine et amie, j'ai voulu apporter mon aide. De toute façon, je t'ai apporté ces herbes. J'ai appris que ces herbes aident à avoir autant d'enfants mâles que tu désires. J'ai pas de mauvaises intentions. Je les ai juste apportées pour mon aide. J'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste t'aider. Préparez-les et buvez-les. J'apporte juste mon aide. C'est juste une aide. Madame l'héroïne. C'est juste une aide, hein? N'ose pas toucher à ce truc. Moi, je n'oserai pas. À leur grande surprise, on aura des enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Et oui, oui. Bientôt, on donnera des fils à notre mari. C'est vrai, oh. Tu peux l'imaginer. Je vous apporte des herbes.
Bonjour, chef Lazarus. Ah, Ego. Ah, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour, comment vont les enfants? Tiff, tu as oublié. Je n'ai eu qu'un garçon avec mon mari avant qu'il ne meure. Jai, j'ai oublié. S'il te plaît, je te présente mes excuses. Alors, comment va-t-il? Il va bien, merci. C'est vrai que tout le temps, il demande à être un frère aîné, un grand frère, vous voyez? Et Tiff, mon ventre est plein d'enfants mâles. Je suis très fertile. Et je sais que il y a un homme viril là-dehors. Ego, écoute, les dieux nous aideront, d'accord? Ok, bon, je retour, l'espère. Okay. Fais attention. D'accord. Prends soin de toi. Lazarus. Chief Ngalo. Hein? Comment vont tes femmes et tes filles? Chief Ngalo. Dis-moi, est-ce une salutation digne d'un chef royal? Ou alors tu ne sais pas qui je suis? Ok. Bonjour, Chief Lazarus. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Il m'a été demandé de t'informer au sujet de la contribution lancée à la dernière réunion. Réunion? Je ne suis pas au courant. Vois-tu, la première source nous a grandement été bénéfique. Vraiment? Hein? Peu de temps après ça, nous avons eu une autre réunion. Je vois. Ça fait déjà des mois, je croyais que tu étais au courant. Hein? Et pourquoi avez-vous besoin de moi? Ta contribution. Écoute, si tu viens avec moi maintenant au palais, tu sauras à quoi cet argent sera utilisé. Chief Ngalo. Alors, Chief Lazarus n'est pas aussi important que son argent. Il n'est pas important lors des rassemblements des fils aînés. Mais son argent est important là où ses pieds ne peuvent pas l'amener, n'est-ce pas? Chief Ngalo. Si tu sais comment tu as fait pour arriver ici, je t'en prie, hein? Alors prends la même route, sinon tu ne partiras pas d'ici avec la tête en place. Est-ce une menace? Une menace? Es-tu en train de me menacer, Chief Lazarus? Pardon, désolé. Tu me parlais d'argent, c'est ça? Oui. Ah, Chief, j'ai oublié. Alors de combien est-ce qu'on parle? Mais tu le sais déjà. Ne fais pas attention à moi. Attends, je vais te l'apporter. Sers-toi pendant que je vais chercher l'argent. Va prendre l'argent, je ne sais pas pourquoi tu es à nous prendre cet argent. Afin qu'on aille faire ce qu'on veut faire avec, ami. Je me demande. Tiens, prends l'argent. Viens prendre l'argent. Tu me menaces. Viens prendre l'argent. Bande incapable. Viens prendre l'argent. Bande d'idiots. Oui. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Deux lampes, une allumée, et l'autre est éteinte, en plein jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Yeah. Yeah.
Lazarus. Maman. Anougoumi revient. Je t'ai entendu. Mais j'espère que tu n'es pas sérieux. Ezidoumagagimbouba, tu es un homme bien. Tu t'occupes de ceux qui te regardent. Ezidoumagagimbouba. Hein? Mais ton obsession d'avoir un enfant te perturbe. Ça a déjà pris le dessus. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire que je suis obsédé par l'idée d'avoir un fils? C'est quoi cette histoire d'obsession? Biko, et Winnie, oh, Maha, je m'en excuse. Ce ne sont que des rêves. Quoi que tu vois, ce n'est qu'un simple rêve. Un simple rêve? Un simple rêve, une obsession, un simple rêve? Je ne comprends pas ce rêve. Je suis sûr que c'est forcément une attaque. Je sais que quelqu'un de très proche en a après moi. Et tu comprends, c'est pourquoi je suis venu. Je dois savoir ce qui se passe. Eh bien, quoi ça? Nam, où tu veux venir quoi ça? Je te dis, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des rêves. Oh, na, quoi? Mais, na, tu connais la wife. Retourne voir tes femmes. Ne laisse pas entrer ces mauvais rêves dans ton esprit. Rentre les voir. La femme que tu vois dans tes rêves n'est que le symbole de ta peur. Elle représente ta peur, Biko, mon fils. Tu me demandes de retourner auprès de mes femmes? C'est ce que tu me demandes de faire? Comment peux-tu me dire ça? Tu sais, mon père a été fort parce que tu as été un guide pour lui. Ne me dis pas de rentrer, je n'irai nulle part. Dis-moi ce que je veux savoir au lieu de me demander de retourner auprès de mes femmes. Et ne me demande pas de rentrer, ne me parle pas de coïncidence ou d'obsession. Je n'aime pas ça. Que veux-tu que je dise? N'est-ce pas la même chose que tu dis? Vas-tu me croire si je te le dis? Hein? Mekangwagi, atemanina kwedo. Nao, vas-tu me croire si je parle? C'est la même chose. Chaque fois, je fais le même rêve. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Mais bon, je finirai bien par trouver ce qui ne va pas dans cette affaire. C'est trop de rêves étranges que je fais tout le temps. Je te salue, Tif Lazarus. Je te salue, Tif Lazarus. Désolée, ma chère. Comment tu vas? Je vais bien. On m'a dit que j'ai plein de garçons dans mes entrailles. Ah, on t'a dit que tu as plein de fils dans tes entrailles. Oui. Et alors? C'est la vérité. On m'a dit que mon ventre est rempli de plein de garçons. En fait, il suffit d'en toucher deux. Des jumeaux, deux ou trois garçons. Attends, ma tante. Tu es très drôle. Tu es vraiment drôle, tu sais, je ne t'ai absolument rien demandé de tout ce que tu me racontes. Hein? Et bref, j'ai compris. Et merci. Je ne vis pas loin d'ici, d'accord? Ok. Au cas où tu as besoin de quoi que ce soit, une fois que tu as dépassé ce bâtiment, la maison d'après, je suis toujours chez moi. Je ne vais nulle part, okay, tu comprends? Ok, j'ai compris ce que tu as dit, merci. Tiff, je t'attends à la maison. Mon mari, s'il te plaît, mange quelque chose. Chaque jour qui passe, tu deviens de plus en plus inquiet. Je t'en supplie, mange ma nourriture. Mange ma nourriture. C'est quoi ton nom déjà? Chioma, ta première femme, bien sûr. Bien, Chioma. Comme ça, tu t'es ligué avec mes ennemis pour te moquer de moi. Que Dieu m'en garde de faire quelque chose de pareil. Mon mari. Tes ennemis sont également mes ennemis. Et tes combats sont mes combats. Je ferai n'importe quoi pour toi et tu le sais. Alors, tu devrais savoir que manger est le dernier souci de Chief Lazarus. Aonwa et Tchetana. Pardonne-moi. Oui, tu devrais le savoir. Alors, porte cette connerie hors de ma vue. Enlève ça d'ici. Tu m'enlèves ça hors de ma vue. Écoute-moi, tu sais très bien que je déteste lever la voix sur toi. Tu le sais très bien.
Alors enlève ça d'ici. Mais tu... Prends ça et dégage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas juste. Pareil. C'est pas vraiment juste. Mère, père a refusé ton repas. Ah. Ada. Ada, d'où est-ce que tu sors ça? Hein? Écoute, aucun mari ne rejette le repas de sa femme. Et spécialement, sa première femme. Tu vois, ton père sera incapable de rejeter ma nourriture. Tu comprends cela? Bien. Alors, pourquoi l'a-t-il fait? Tais-toi. Ada, ramène ce soir à la maison. Maintenant, je me demande qui t'a accouché. Ha! Oh! Je me demande qui t'apprend ce genre de choses. Dépêche-toi, oh! Transverse de l'eau et puis rapporte le seau. Mon mari. Le seul homme qui sait comment calmer la rivière et faire tout ce qu'il faut pour le bien de son peuple. J'ai cuisiné ton plat préféré. Écoute. Idioma. Mon mari. Tu es aveugle. Es-tu aveugle? Es-tu une étrangère pour ne pas savoir quand ton mari a des soucis? Je te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Hein? Tu refuses de manger ni de parler à qui que ce soit. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon mari? Si je te demande, je n'aurai pas de réponse. Tu refuses de manger mes repas depuis 7 jours. Où est-ce que tu manges au juste? Idioma! Idioma! Prends ça et dégage, hors de ma vue! Va-t'en! Tout ce que vous savez faire dans cette maison, c'est... Manger. Allez, va t'en d'ici avec ce truc. Chioma. Chioma! Chioma! Ah, Idioma! Pourquoi est-ce que tu cries mon nom de la sorte? En passant, où sont les enfants? Eh bien, Uloma et Ulako ont mangé la nourriture que j'ai faite pour mon mari, contrairement à certaines personnes. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par « contrairement à certaines personnes »? Surtout, ne joue pas à ça avec moi. N'essaie même pas. Oh, tu crois que j'ignore ce que tu fais dans cette maison? Espèce de femme hypocrite. Idioma. Moi, Chioma, une femme hypocrite? Chioma, ne fais pas ça. Hein? Tu as pollué l'esprit de mon mari contre moi. Sa façon de me regarder avec la colère dans les yeux. Hein? Quel est le rôle d'une femme dans la maison de son mari si elle ne peut même pas faire à manger pour lui? Écoute, je vais te dire. Peu importe où tu es allé, appuyer sur un bouton pour que mon mari me traite de la sorte, tu ferais mieux de retourner le désactiver. Écoute, je t'en supplie. Rentre désactiver ce bouton. Idioma. Je te préviens, oh. Idioma, je te préviens. Idioma. C'est la dernière fois. Idioma. Tu vas m'entendre. Hé hé.
Ah, maman, c'est vraiment bon, je t'assure. Anne. Hein? Ta mère a toujours été une bonne cuisinière. Je vais continuer ce que je faisais. C'est vraiment bon. Tu te régales, je vois ça. Mmh. Oh. Ewa. Je me régale. Merci, mon fils. Mm. J'aimerais que tu prennes un peu de poids. Mm. Mm. Je n'aimerais pas que tu aies cette mauvaise humeur. Bah. Non. Même. Il est rigouama. Es-tu vraiment sûr que c'est la vérité? Ah. Maman, hmm? J'ai réfléchi encore et encore. Et c'est ce que je veux. J'ai bien réfléchi. C'est mon nouvel espoir. Rien ne peut changer ça. Hmm? Ok, Ina. Nous espérons que ce nouvel espoir te donne ce que tu veux. C'est déjà fait, maman. Hmm. Cette nourriture est vraiment bonne. Mon père a fait un bon choix. Au cas où y est. Hein? Ok. Je vois comment tu apprécies cette nourriture. Un plat bien fait. Runeka. Alors ne va plus manger la nourriture de tes oh! femmes. Bien manger. Ah non, non. Moi, comment t'en nommes? Je ne serai pas là demain. C'est ainsi que ton père aimait manger mes plats quand il était encore en vie. Si tu veux, tu peux rentrer tôt pour revenir. Mon frère, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire cela? En tout cas, mon frère, je le veux. Oui, je le veux. Et Tioma? Et comment penses-tu que Dioma va le prendre? Dioma, mon mari. Raconte-moi ce qui s'est passé l'autre jour. Merci, mon mari. Idioma ici. Ma sœur et ma cuipose m'accusent de t'avoir empêché de manger ses repas. Ah. Oui. Elle dit que j'ai en quelque sorte appuyé sur un bouton, ce qui serait la cause de ton changement. Que moi, Idioma, que j'aille à nouveau appuyer ce bouton. Elle ignore que ça fait également au moment que tu ne touches plus, aussi à mes repas. Alors, mon mari, quelle est cette chose qui te préoccupe tant? Qu'est-ce qu'il y a que tu ne peux pas partager avec nous? S'il te plaît, Gino. Idioma. Mon mari. Idioma. Le plus grand chef de son temps. Le plus brave que je connaisse. As-tu quelque chose à rajouter à ce qu'elle vient de dire? Je me sens coupable. Tioma, je te présente mes excuses pour t'avoir manqué de respect, comme je l'ai fait, s'il te plaît. Je m'excuse. Depuis que je suis entrée dans cette famille, tu m'as considérée comme ta sœur. Je sais que j'ai très mal agi, mais s'il te plaît, pardonne-moi.
C'est ok, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Et Tioma, te souviens-tu quand je t'ai dit que tu vas m'entendre? En fait, je parlais de ça. De toutes les façons, j'accepte volontièrement tes excuses. Alors, mon mari, s'il te plaît, c'est quoi ton problème? Quelle est cette chose qui te préoccupe tant? Dis-nous, qu'est-ce qui te préoccupe tant? On dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Dis-nous ce qui te préoccupe depuis un moment. S'il te plaît, mon mari. Oui, mon mari. Hein? Nous sommes tes épouses et tes seules compagnes. Exactement. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Partage-le, s'il te plaît. Tioma. Mon mari. Idioma. Oui, mon mari. Vous voyez la façon dont vous avez réglé ce problème? Sans toutefois m'y impliquer. C'est comme ça que je veux que vous régliez toujours vos problèmes. Voilà. Réglez toujours vos conflits sans toutefois m'en parler. J'ai compris. C'était tout, n'est-ce pas? C'était très simple. Hmm? Tu t'es excusé. Et elle a accepté. Sujet clos. Pour ce qui est de moi, ce n'est pas un problème. Eh bien, voilà, je tenais juste à vous informer que votre nouvelle collègue, une nouvelle coépouse, vous rejoindra bientôt. Et c'est coépouse? Coépouse? Assume. Avez-vous besoin de plus d'explications? Je veux boire. Tu veux boire? Non, je ne veux pas. Hey! En tout cas, hey! Chai. Ah. Hein? Sois la bienvenue. Je te présente mon domicile. Je possède d'autres parcelles de terrain de l'autre côté, un peu partout. Hey. Hein? Bienvenue chez moi. Ah, Tim! Mon amour! Mon mari, sois le bienvenu. Voilà, c'est elle! Ta nouvelle coépouse! Bienvenue, mon mari. Ami, en fait, c'est ta nouvelle collègue, Idioma. Écoute, je te présente, Tioma. Bonjour, Tioma. Première épouse, c'est ma première épouse. Salut là! Bonjour, Tioma. Bienvenue. Hey. Hey, bienvenue chez nous, hein? Hey. Voilà. Allez, tiens ça. Porte ce sac à l'intérieur et montre-lui sa chambre qu'elle m'attende. J'arrive. Vas-y. Écoute. Montre-lui sa chambre. Assure-toi qu'elle soit à l'aise. Dépêche-toi. Allez, va avec elle. Allez, prends ça. Aide-la. C'est bien. Allez, viens l'aider, oui. Portez ce sac à l'intérieur. Oui, aide-la. Vas-y, aide-la. Montre-lui sa chambre. J'espère que vous avez préparé le lit et tout le reste. J'arrive. Dépêchez-vous de mettre ce sac à l'intérieur. Allez, vite. Bienvenue, Joma. Hey! Voilà, enfin, je l'ai fait.
D'Ababara, non. Chioma. Idioma, ça fait combien de temps que tu es là? Assez longtemps pour savoir que tu n'es pas contente de la nouvelle que nous a annoncée notre mari hier. Je voulais juste te parler. Je croyais que tu devais préparer. C'est pourquoi j'ai apporté les légumes, afin de parler. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour vivre confortablement avec une autre femme? Je ne vous connais pas du tout. Mon peuple dit toujours, on ne renvoie pas un étranger ou un visiteur parce qu'on ne sait jamais s'il nous portera bonheur. Alors, pourquoi êtes-vous là? Ouare Mahama. Hey, belle femme, je ne connais pas votre nom. C'est pourquoi je vous appelle aussi. Et vous êtes vraiment belle. Merci pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Êtes-vous là pour acheter quelque chose? Une minute. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? J'ai cru que tu avais informé sa mère de notre venue par rapport à sa fille. Hein? Où nous as-tu amené ici pour nous faire honte? Maman, j'étais justement sur le point de le demander, hein? À entendre comment cette femme parle, on dirait qu'elle ne sait rien de notre venue. Lazarus, s'il te plaît, fais en sorte que notre venue soit fructueuse, je t'en supplie. Calmez-vous. Je vais maintenant prendre la relève. Hein? maman. Merci. Je suis Tiff Lazarus. Un notable Ahunwa Otitana. Mon fils. Je suis du village voisin du Munyebe. Je suis un homme humble, vertueux et travailleur. C'est exact. Et je recherche cet accomplissement qui fait un homme. Et cet accomplissement, je l'ai trouvé chez vous. Et cela m'a vraiment donné de l'espoir et une nouvelle vie. C'est la raison de notre venue ici. Ah, tu es la personne que nous attendions. Oh. Oui, je voulais juste me rassurer que tu seras capable de prendre soin de ma fille. Ok. Il n'y a donc aucun souci. Vous êtes les bienvenus. Sentez-vous juste à l'aise. Hein? Mes aînés sont en chemin. Ils sont en train de venir. Et s'il vous plaît, hein, vous pouvez, hein, s'il vous plaît, servez-vous. Bienvenue. Oh. Les mots. Oh, bienvenue. Merci beaucoup. Oui. Oui. Agalamono Wandi. Mes chères épouses, mon mari, j'ai été béni avec les meilleures femmes que Dieu puisse donner à un homme. Et voyez-vous, j'aurais aimé avoir un puits à la place d'un ventre afin de pouvoir manger tous vos repas. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un être humain dont nous ferons tout en conséquence. J'ai dit qu'on fera tout en conséquence. Voilà. Idioma. Mon mari. Ton tour attendra. D'accord? Mais donc, mon mari, j'ai fait... Ah!
Tu ne m'as même pas encore écouté, mais pourquoi es-tu pressé? Ne va pas plus vite que ton ombre. Écoute, je mangerai le tien de l'après-midi. Tu sais, j'en ai goûté un tout petit peu quand tu faisais la cuisine. Et tu vois, je me suis dit, ah, voilà ce que mon corps a besoin de manger cet après-midi. Mon mari. Tioma. Jim. Je mangerai le tien le matin. Et chaque jour, ce sera le premier fruit à déguster le matin. Le matin. Katie? Oui. Voilà. Écoute, je mangerai ton repas dans la nuit. Tu sais, ce sera le dernier fruit que je mangerai dans la nuit. Et là sera ainsi. Alors, ce sera Tioma le matin, Idioma dans l'après-midi, Nketi le soir. Mais écoute-moi. Je veux que tu accordes à tes sœurs du respect. Tu me comprends? Je te l'ai dit lorsque je t'ai amené ici. Et je veux que ça reste ainsi. Écoutez, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je prends un parti, vous savez. Pas du tout. J'aimerais partager mon amour de façon équitable. J'ai dit que je donnerai à chacune de vous le même amour. C'est tout. Je ne veux pas prendre parti ou encore faire du favoritisme. Non, ce n'est pas mon intention. Ok? Alors, Tioma, apporte-moi ta nourriture. Mon mari. J'arrive. Et voilà, c'est simple. Nous sommes tous gagnants dans la paix. Alors, il s'agit d'argent, de quelques billets, de la nourriture. Merci, mon mari. Vous devez être... Vous savez, parfois je me dis que je suis très chanceux. Mais vous savez, vous devez aussi vous estimer heureuse d'avoir épousé le chef Lazarus. Maman. Hein? En moi et Titane. Oui, oh. Hein? C'est entré. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu sais très bien qui je suis. Ah ouais, ouais. Non. S'il vous plaît, aidez-moi à ouvrir le couvert. Kambuni Kombania. Ne ouvre celle-là. Idioma, toi, ouvre celle-là. Ne. Toi, tu pousses la table. Elle est où que boeu? Tu n'es que me. Kame ne gisa ka kwa kwaya. Na, wuta. C'est délicieux. Ah, mais non. Tu connais? Nous sommes toutes des femmes. Elle est où, boeu? Quoi, Béni? Mbanki. C'est bon. C'est délicieux. Tu sais ce genre de sauce? Les gens disent souvent que... Madame Goulou, oh Dieu, tu es tellement drôle, toi. Dis, maman. Oui, merci. Nous t'avons très bien écouté. Merci beaucoup. Idioma. Laissons-le, allons à l'intérieur, laissons-le déguster son repas. Katie, tu restes encore là. Allez, on y va, laissons-le manger. Non, tu peux rester, qu'elle reste. Je voudrais lui parler de quelque chose pendant que je mange. Katie, mets-toi à l'aise. Ne laisse pas le piment lui entrer à la gorge. D'accord. On y va. Naï, bon appétit. Merci mets-toi beaucoup. À l'aise. Katie, viens avec nous. Katie peut rester, je voudrais lui parler de quelque chose. Viens, ma chérie. Viens, c'est ma bon, chérie. Elle peut rester. Allons-y, laisse-le, il y a quelque chose à dire. Allons-y. Je veux cette viande. Ceci, ok. Tu veux que je... À toi là, tu aimes bien ça. Merci. Hey! On ne se bat pas chez moi. Surtout pas avec ma femme, je veux dire tes sœurs. Je n'ai pas dit tes co-épouses. Prends-les comme tes sœurs. C'est ce que je veux, pour qu'à chaque fois que... À chaque fois que je rentre à la maison, je trouve la paix. On dit que la polygamie implique beaucoup de problèmes. C'est faux. Non, je dis non. T'inquiète pas, je ne suis pas comme plus ça. Plus de femmes, plus de paix à la maison. C'est d'accord. Sans problème. Non. Maman? As-tu remarqué que... Chaque fois que cette femme apparaît dans tes rêves,
c'est quand l'une de tes femmes va accoucher. Maman. Hmm? Je me souviens dans les moindres détails, ses rêves. Et je les raconte de la même façon. Mais tu vois celui-ci, je ne me souviens absolument de rien. J'ai tout oublié. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Les dieux de notre terre protègent Kitty. Maman. Hmm? Kitty, ma troisième femme, est enceinte. Et presque à terme. Maman, j'ai peur. J'ai tellement peur. Et Gunazunezu, Kitty donnera naissance à un petit garçon, mon petit-fils, sain et sauf. Les dieux de notre terre ne permettront pas qu'il lui arrive quelque chose. Amen. Je vais tenir mon petit-fils. Kitty donnera naissance, tu verras. On est qui les tiens. Mange, mon fils, non? Mange. Non, vas-y, mange. Mange. Non. Mon mari, bonne arrivée. Hey. Bonne arrivée. Merci. Ah, on dirait que les enfants sont déjà rentrés de l'école. Oui. Mais que fait le sac de Kelechi là-bas? Il doit être à l'intérieur. Kechi? Oui, chief. Se plaît à Kenechi, mon fils, que je l'appelle. Ok. Kenechi? Ah ah, est-il sourd? Kenechi? Ah, il était là tout à l'heure. Kenechi? Ah, où est passé mon garçon, hey, Kenechi? Je ne trouve pas ce garçon, oh. Tu ne le trouves pas? Il n'est pas à la maison. Mais où est-ce qu'il est passé, mon fils, Kenechi? Ici. Papa, ton fils est ici. Garçon, mais où étais-tu passé? J'étais voir grand-mère. Papa, prends ce fruit. C'est gentil. Ces oranges viennent de chez ma mère, ta grand-mère. Oui, papa, c'est exact. Tu vois? Maman, prends ce fruit. Merci. Je l'ai eu de chez grand-mère. Je vois. Je m'excuse d'être sortie sans t'avertir. C'est bon, viens là. Entrée, va te changer. Viens. Va t'excuser sur ton autre mère. Kenechi, pour avoir inquiété tout le monde, viens laver avec moi. Non, 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 c'est hors de question. Viens, viens, je te pardonne, mon fils. Ok? Va à l'intérieur, oui, va à l'intérieur. Change-toi et reviens, je voudrais te montrer quelque chose. Ok, papa. Ah, ah. Non, écoute, ne dis pas ça. Vous devez être observatrice. Vous devez être observatrice. Ne vous échappez, vous savez pas où il était maintenant. Kenechi, où est Kenechi? Personne ne sait où il est. Mais il est revenu sain et sauf. Que cela ne se reproduise plus. Chief, toujours en train de vouloir blâmer les gens. Je ferai, oui. Pourquoi ne le ferais-je pas? Pourquoi je ne le ferais-je pas? J'espère que mon repas est prêt. Oui, chief. Laisse-moi juste terminer avec ces vêtements et je viens te servir. Ah ah, tu sais que c'est ton préféré, non? Quelle sauce? La sauce Olubusu. Alors tu vois, à partir de ce point, tout ce terrain que tu vois là-bas, toute cette parcelle de terre est à toi. À moi? Oui. Tu vois ce grand arbre là-bas? Oui, je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Ce grand arbre. Oui, ce grand arbre. Oui, cet arbre. Tu vois, cet arbre jusqu'au fond. Tout ça est à toi. Écoute. Si nous allons de l'autre côté, tu vois ce... Est-ce que tu vois ce grand... Ce grand baobab? Oui. Alors de là, jusqu'en bas. Oui, ça t'appartient. Même ce côté-là. Ici? Oui. C'est celui qui vient moi. Par celui-ci également, celui-là. Oui, sont également à toi. Écoute. Maintenant, viens, j'aimerais aller te montrer les plantations. Les plantations que tu posséderas demain lorsque tu seras un homme. Okay. D'accord? Viens, on y va.
Kanachi! Kanachi! Ah! Kanachi! 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 Kanachi a l'habitude de prendre lorsqu'il s'en va à l'école. C'est étonnant. Comment cela a-t-il pu arriver? Là reste la question. Ne parle pas comme ça, mon chef. Parce que on ignore encore si le petit est en vie. Une chose que le féticheur du village n'a pas été capable de faire. Tu penses que ta mère fera le contraire? Notre mère est aussi douée que le féticheur du village. Oui. Qu'est-ce que j'entends là? Ma sœur, c'est vrai, oh. Kanachi est tombé dans une rigole et certains objets ont tranché sa gorge. Aïe! Aïe! Maman! Comment va mon fils? Comment va Emeka Naya? Comment va mon fils? Kene. Kenichi a rejoint nos ancêtres. Aïe! 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 Maman? Non. Je t'assure que je commence à comprendre que les dieux essayent de me révéler qu'il y a des gens qui m'en veulent. Les ennemis sont après moi. Et tant que je ne leur ai pas brisé le crâne, que je ne les réduis pas à miettes, que je ne les ai pas tués, je comprends. Ils ne nous laisseront pas tranquilles, ma famille et moi. Maman, il faut que j'agisse. Calme-toi. Ezibo, moi. Hey! Namo, Ezekwasi. Tu es quelqu'un qui ne laisse pas passer le mal. Et tu es le genre qui ne résiste pas à voir le mal vaincre et laisser cela se faire.
Hein? Qui peut bien être ses ennemis? Et tu ne te souviens pas, ni ne remarques le visage qui t'apparaît souvent avec le visage de cette femme. Bonjour, maman. Hey. Bonjour, mon frère adoré. Hey. Grand frère. Donna chef, Lazarus. Je reviens juste de chez toi. Et on m'a dit que tu es ici avec maman. Ndoubiko, j'ai une compagnie à ton frère Obiko. S'il te plaît, je dois aller regarder ma marmite de sauce que je prépare. Oh. Ah, ça veut dire que je tombe bien. Hein? Qu'est-ce que tu prépares, maman? Au fenou. Une bonne sauce. Tiens, retourne chez ta femme et mange ce qu'elle a préparé pour toi. Noabou Nakofa. Maman, je suis toujours ton fils. Frère Lazarus, j'espère que tout va bien. Duka, regarde-moi. Est-ce que j'ai bonne mine? J'ai l'air d'aller bien. Vas-y, réponds-moi, est-ce que j'ai l'air d'aller bien? J'ai l'air de quelqu'un qui va bien. Frère, si l'homme avait la lassitude de choisir là où naître, il sortira du ventre avant même de naître dans ce monde. J'aimerais te poser une question. C'est vraiment très important. Hein? Puisque tu n'as plus de fils et qu'on ignore si les dieux pourront t'en donner un autre. Je m'excuse si je te le demande, s'il te plaît. Je veux juste savoir qui va hériter de tous tes biens, absolument tout, ainsi que ton titre de chef. Qui va? Hey. Lazarus. Et moi, Tago Queen ici. Hein? Est-ce que voyage? Aïe! Ah oui, c'est qu'il y a. On y a un moyen, y a bien. Hé! Obiazi quoi? Obiazi quoi? Hé, femme! Où amenez-vous ce garçon? Répondez-moi! Viens, mon fils. Ah! Oh bien, c'est quoi? Ah! Oh, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je me sens très faible. Je ne saurais comment t'expliquer. Je me sens malade. Fais-moi voir tes yeux.
C'est quand la dernière fois que tu as vu tes règles? Ah, je ne m'en souviens pas. Chief. Hein? Elle est enceinte. Janessir, non, non, non. Janessir. Ah, et voilà. Je sais bien sûr que je le sais. Tu sais, je ne peux pas entrer et ressortir bredouille. Désolée, ma sœur. Exactement. Inquiétez, ma chère épouse. Arrête de cracher. Hein? C'est une bonne chose qui est entrée en toi. Quelque chose de bon ressortira. C'est tout à fait normal. D'accord. Dieu de nos ancêtres. Dieu de nos ancêtres, de nos aïeux. Nous venons à vous. Entendez nos prières. Écoutez nos pleurs. Nous vous supplions. Protégez-nous. Pourvoyez pour nous. Montrez-nous la voie à suivre. Tukabiam. Anapogi. Nayaka. Neke. Ori. Afo. Nkwo. Ise. Ah! Va appeler maman. Okay. Va appeler maman. Aïe, j'y vais. À l'intérieur. Va appeler maman, dépêche-toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais mon Tu veux que je vienne? Non. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non. Respire. Pousse, il arrive. Je voulais pourtant bien dire, mais vous avez toutes refusé de me croire. Vas-y, tape le bras. Il me rose. Je savais que les dieux n'allaient pas du tout me décevoir. Oui, oh, bien sûr. Chère épouse, allez, venez que je vous donne à chacune un verre. Hey, oh. Allez, viens prendre ma Dioma. Vas-y, bois. Allez, maman, tiens. Suis-je encore sensible? Maman, allez, prends, voyons. Hey. Vas-y, bois. Aburagam kwaen. Anekuragam kwam nengwam ga. Onofob de wemwa. Anuragam kwane. Aye hoye kona kwangwane goma obofoni wemwa onera kwangwane oye nora kanga mbangwa obofoni wemwa jam jam kamane be Ozona, hey, les dieux l'ont vraiment fait. Avec quel nom va-t-on l'appeler? On l'appellera
Oh, bien, c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est? Ah! Hey, Timo! Ah, ah! Qu'est-ce qui arrive à Obiasiko? Je ne sais pas. Hein? Il est en train de jouer avec les autres enfants. Et quand il est revenu, le sang coulait derrière ses oreilles. Allez, regarde! Hey! Je suis contente que Chief ne soit pas là pour voir cette connerie. Tu sais quoi? Je vais déposer mon sac à l'intérieur. Et je vais punir ces enfants. Ils doivent me dire pourquoi le frère est blessé. Oh non, ma sœur. S'il te plaît, non. S'il te plaît. Surtout ne me dis pas ça. Oh. Si on ne traite pas ça maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver. Non, mais les enfants se blessent non, toujours. Non. Laisse tomber cette histoire. Il va bien. Tu vois maintenant ce que tu as causé. Tu te blesses tout le temps. Tout le temps. Dans tes foutus jeux. À cause de toi, on veut frapper les autres enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Soulève ta tête. Mon frère, chez nous, on dit que lorsqu'un enfant reconnaît qu'il a mal agi et qu'il demande pardon, que l'aîné ne le réprime pas. Je sais que j'étais blessé profondément, même si tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as pas dit un mot. Ah, m'offenser. Ah, comment m'as-tu offensé? Frère Lazarus, dans tes moments difficiles, j'ai dit des choses peu réconfortantes. Je t'ai demandé qui va maintenant te succéder. Oh. Depuis que je t'ai dit cela, tu ne m'as pas dit un mot. Et depuis, mon cœur n'a pas été en paix. Oh. Je t'en supplie, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Hey, Ndoka. Mais cela est arrivé il y a très longtemps. Non. Allez, Ndoka, oublie ça. Écoute, il y aura toujours des disputes entre les frères. Les frères se disputeront toujours, se battront même. Mais le plus important, c'est qu'ils arrivent à se réconcilier. Et ce qu'ils font sans rien entendre en retour. Ne t'en fais pas, ça c'est du passé. C'est passé il y a longtemps. Oh, écoute. En ce qui concerne ce que tu as dit ce jour, je te promets, je t'ai pardonné. Je t'ai vraiment pardonné. Mais vu que tu es venu me voir, tu es déjà là. J'accepte tes excuses avec tout mon cœur. Il n'y a aucun problème. Aucun. Relax. J'accepte tes excuses. D'accord? Merci beaucoup. C'est fini. Merci. Merci beaucoup. Pas de souci. Allez, oublie ça. Bref, voilà, il y a du vin. On va le boire. On va le boire ensemble. Qui est là? Portez-nous des verres. Nous allons boire. Oui. Onyen Kouzi. Onyen quoi? Oui. Qui est là? Apporte-nous des verres, s'il vous plaît. Écoute. Naï. Je vais au conseil des notables. Ok. La réunion générale des notables. Hein? Ok. J'arrive. Ok. Eh ben, que veux-tu manger à ton retour? Ce que tu veux. Cuisine simplement ce que tu veux. Ok, je ferai ton plat favori. Ok. Bye bye.
Oh! Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je le savais très bien. Hein? Et comment cette femme n'a pas pu me le rappeler? Bonjour. Eh oui, bonjour, mon frère. Ah, ah. Mon mari. Hein? As-tu oublié quelque chose? Regarde-moi bien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Ok, ta canne. Ok, regarde ta canne. Apporte. Apporte-la-moi. Voilà. Dis-moi, il est où? Où est-ce qu'il est passé, mon fils? Obiaziko. Il est dans la chambre. C'est bien ces sandales ici. Ces sandales. Hein, Nketi? Oui, Nai. Viens. Après, vous allez me demander d'en acheter d'autres, hein? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon fils. Comment? Je ne le trouve nulle part. Comment je ne sais pas où. Ne trouve pas? Idioma, l'as-tu vu? Il doit être en train de jouer quelque part. Pourquoi tu... Arrête. Je ne veux pas de panique. Écoute, ce n'est pas ici. Il est sûrement chez sa grand-mère. Allez, on y va. Exactement. Où ça? Dois-tu toujours va le chercher chez sa grand-mère. Au moindre petit problème, tu te mets à paniquer comme si le monde entier était tombé. Nai, ne me blâme pas, non, ce n'est pas de ma faute. Mais pourquoi est-ce que tu ne suivais pas cet enfant, hein? Ne me blâme pas, s'il te plaît. Qui est quoi, ma? Oh! Mon mari, attends-moi. Hein? Qui court après mon fils en samedi matin? Maman, as-tu vu mon fils au Biazikor? Qui court après mon fils comme ça? Non, je ne l'ai pas vu. En dehors d'hier, quand il est venu ici, il n'est pas revenu depuis. Hey! Mais qu'est-ce que tu as, mon petit-fils? Maman, je ne sais pas. Hé, la femme. Arrête de paniquer. Où est mon petit-fils? Venez, on y va. Hey. Oh, petit-fils, oh! Tu t'imagines, cette femme me dit que ce petit poisson coûte 700 naira. Hein? S'il vous plaît, excusez-moi, mademoiselle. Avez-vous, s'il vous plaît, aperçu mon fils, Obiaziko? Il a ses fils. Attendez. Uh-huh. Votre fils, Obiaziko? Oui. Il est passé ici. Quand? Chief, c'était hier. C'était hier? Oui. Je vous parle d'aujourd'hui. Dégagez de mon chemin. Qu'est-ce qu'on a fait, non? Viens, allons-en. Mon Obi! C'est pour ça qu'il me crie dessus comme ça. Viens, allons-en. Je me demande pourquoi les gens sont comme ça. Un titre. Titre. Je te le redemande. As-tu vu mon fils? Hey! Donc vous ne l'avez pas encore trouvé? Oh, mais reprends ma question! Où est-ce qu'il est passé, non? Je te le redemande! Chitourou! Je te le redemande! As-tu vu mon fils? Je jure par tous les dieux et par tout ce en quoi je crois! Je n'ai pas vu ton fils de mes deux yeux! Suis-je une menteuse? Vous voulez que je vous le dise comment? Fais attention, moi, ok? Hey, mon fils! Par tous les yeux! Maman, comment est-ce qu'il s'est retrouvé? Ferme-la avant que je ne casse ta figure! Comment est-ce que c'est possible? Comment tu poses la question? Je pose la question! Comment est-ce que c'est possible? C'est bon, je l'ai arrêté. Où on a Okusu? Qui voulait tuer mon petit-fils? Qui voulait tuer mon petit-fils? Tu voulais tuer mon fils? C'est lui arrive quelque chose! Je vais te tuer de mes propres mains! Je vois maintenant que tu es la personne mécontente du fait que mon fils est un garçon. Si jamais tu oses encore le toucher, hein? Je suis une sorcière. Ferme-la avant que je te casse sa gueule. Viens, sorcière. Un sorcière. Si jamais tu oses encore dire au mot, je te casse la gueule. Mais regarde. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Ne le touche pas. Touche-la encore. Enlève ces oranges. Nabi comprend. Enlève ces oranges entre les mains. Sorcière.
Tu n'es qu'une pauvre sorcière. Tu as de la chance qu'on l'a retrouvée. Sinon, je te tout ça. Hey, mes soeurs. Hey, je suis tellement contente. Je le suis aussi. Hey, j'ignore ce que j'aurais fait s'il lui était arrivé un truc. Que Dieu m'en garde. Hey, que Dieu m'en garde. Hey, mais je me demande encore ce qu'il faisait chez Dieu. Dieu merci. Peu importe la raison, on l'a retrouvé. Oui. Sinon, ce que j'allais faire, Obi, ne mange pas. La nourriture sort de sa bouche. Qu'est-ce que tu dis? Excusez-moi. Allons. Hey! Qu'est-ce que c'est encore? Obi Aziko! Hey! Hey, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Chérituru! Allez, sors de là! Montre-toi, sors! Qu'est-ce qu'il y a encore, non? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Écoute, peu importe ce que tu as fait à mon fils, tu as intérêt à le guérir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ose me le demander. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Je vais confesser. Tu vas confesser? Je m'en fiche de tes confessions. Attends, je vais tout dire. Dépêche-toi de le guérir. Tu vas le faire ou pas? Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Tu veux me tuer? Je demande de le guérir. Tu vas le faire ou pas? Je vais te faire. Dépêche-toi. Tu veux me tuer? Je vais te tuer. Dépêche-toi de le faire. Ok, reste là, je reviens. Tu crois que je plaisante? Comment va-t-il? Il ne réagit pas, je ne sais pas. Dépêche-toi, c'est la sorcière. Quel geste de méchanceté c'est ça? Chérou, qu'est-ce que je ne pas encore commencer à étouffer. Ce n'est que le début, je vais te tuer. Allez, dépêche-toi. Chérou, qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête de pleurer, mon fils. Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire? Mon pauvre enfant est innocent. Maman, comment? Dépêche-toi! Calme-toi, non? Ne le touche pas. Enlève ta main. Oui, mais maman. Les gens méchants. Ça ira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas fini. On ne passera pas d'ici jusqu'à ce qu'il se relève. Tu sais ce que tu as fait? Ce garçon était très bien. Pourtant, tu as vraiment intérêt à ce que tu relèves, sinon je vais te découper en morceaux. Mon frère, que se passe-t-il? Hey, ne me demande pas ce qui se passe-t-il. Fais gaffe à toi. Ne me cherche pas. Fais bien gaffe à toi. C'est toi, Caro. Nduka. C'est moi, Nduka. Oui, vas-y, dégage. Qui es-tu? Oui. Dieu merci, tu es là. Chief Lazarus. Oui. Regarde! C'était la cause de tout ça! Bienvenue, monsieur. Tout ça est de sa faute! Comment se porte l'enfant? Bien! Je peux qu'elle l'a fait! Je peux voir! Ok. Tu vois? Sorcière! Dis-moi ce que tu as fait à ce garçon! Dis-moi qu'est-ce que ce pauvre garçon t'a fait! Ça va! Ne me touche pas! C'est un talent de moi! Mon fils revient! Chief Lazarus! Elle est demandée au palais. D'accord. Mon fils revient. Je vous rejoindrai au palais. Hey. Suivez-moi. Allez, suis-le. Sorcière. Hey. Je t'en prie, ne me touche pas. Mais pourquoi? Pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Ouais. Je retourne la question. Ne t'approche pas de moi. Ils vont tout maudire. Naï, il ne bouge plus. Comme ça, ma chère. Cette femme n'a toujours rien avoué depuis qu'elle est en salle d'interrogatoire. À quel point elle est cruelle.
Elle n'a toujours rien dit. Comment une femme peut-elle recevoir une telle peine et ne rien confesser? Elle doit sûrement être sans cœur. Elle doit avoir planifié ceci il y a longtemps. J'espère qu'elle périra dans cette prison. Ah, Mbao, il n'est pas question. Elle ne mourra pas maintenant. Elle doit confesser, elle doit avouer tout ce qu'elle sait à ce sujet, avant de mourir d'une mort douloureuse. Ma sœur, pitié, oublie cette sorcière pour un moment. Je suis sûre que ses œuvres aideront moi. Ou bien Zekor. Oui, en effet, c'est l'antidote contre les poisons. Le plus, c'est que j'ignore comment on appelle ça. En fait, la plupart de ces bonnes herbes n'ont pas de nom. Je me rappelle de celui que j'ai utilisé pour l'oreille d'Obia Zekor. Ça a laissé une cicatrice, mais ça a vite cicatrisé. Ok. Comment on l'utilise? Tu dois juste le faire bouillir et lui donner 3 fois par jour. Oh, ok. Tu pourras le laver avec le reste. Oh, ok. Merci, ma sœur. Mais je t'en ça prie. Ça me fait plaisir. Je te le remercie. Le plaisir est pour moi. Merci, ok. La guérisseuse a dit que qu'il prendra sa dernière prise aujourd'hui et qu'après ça, il ira bien. Mais, Chief, il va à la selle sans arrêt. Mais, Ego m'a dit que c'est le processus de guérison. La preuve que le traitement fonctionne. Le poison est en train de quitter son corps. Tout à fait. Écoute, mon fils est très fort. C'est un combattant. Oui, oui. Abondimba, Abokumi. En effet. C'est ma prière. Il va s'en sortir. Il ira bien. Je remercie Dieu. Tu vas te rétablir, ok? Bien sûr que oui. Je vous salue, Tif Lazarus. Je te salue, brave guerrier. Le roi requiert votre présence. Ah! Il dit que la méchante sorcière Chiteru est prête à se confesser. Elle est prête à confesser? Oui, Tif. J'arrive. J'arrive. Ah, Guinée. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi a ordonné que la sorcière soit arrêtée. Cela va-t-il ramener mon fils à la vie? Oh, bien sûr, quoi. Mon frère Lazarus, je sais ce que tu ressens. Personne ne voudrait être à ta place à cet instant précis. Mais où on est? Les mouches doivent tourner autour du corps de ton garçon. Donc, s'il te plaît, tu dois le laisser pour être enterré. S'il te plaît, Lazarus, mon frère, je sais que ce moment est difficile pour toi. Oui. Ne le rends pas plus difficile puisqu'il l'est déjà. Tu te fais du mal à toi-même. Oh bien, Zekor est bel et bien mort. Et tu ne peux rien faire contre ça. Remets son corps avant qu'il ne commence à pourrir. Les dieux qui l'ont pris vont certainement t'envoyer un autre. Oh bien, c'est quoi? Mon petit fils.
Oh, petit-fils. Oh, c'est comme ça la vie, oh. Hey. Mon frère Lazarus, sois un homme. Hein? Sois un homme. Laisse son corps se faire enterrer pour qu'il repose en paix. Qu'il repose avec nos ancêtres. S'il te plaît. S'il te plaît, Bicono. Du calme, du calme. C'est bon. Mon frère, s'il te plaît. Et mon fils. S'il te plaît, sois un homme, je t'en supplie. Lazarus. Nous n'avons qu'à le surveiller. Hein? Lazarus, c'est bon. Il est en vie. Oui. Il est en vie. Oui. Il respire. Chief, Chief, amène cet enfant chez ma mère dans le village au voisin. Je sais que ma mère est vieille, mais elle peut s'occuper de lui pour nous. Ok, 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 très bien. Couvre-le. Couvre-le de la tête aux pieds. Couvre-le, amène-le. Mais comment allons-nous faire pour passer devant toute cette foule là dehors? Comment? Ils sont nombreux qui attendent l'enterrement de notre fils. Je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Mon fils, tu es en vie, oh mon fils. Est-ce que c'est nécessaire de rester le surveiller? Surveillons-le juste, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Hein? Ah ah! Lazarus! Je ne pense pas que tu sois conscient de ce que tu racontes. Ça, c'est de la folie. Veux-tu aller à l'encontre de nos traditions? Tu devras d'abord me passer sur le corps. Cela n'arrivera pas tant que je suis en vie. Vraiment? Jamais. Vraiment? Oui. Que celui qui peut te transpercer par mon épée avance. Oh, non! Se calme. C'est bon. Se calme, c'est bon. Se calme. Que celui qui peut se battre avance. Non, c'est bon. Nabiko, calme-toi. Viens te battre. Nabiko, nous. Ogidi. C'est bon, calme-toi. Pourquoi vous? Hey, Okwagu, hey, Oge Momo, hey, Apopulong Dada, Apopulong Dada, hey, hey, hey. Il y a un problème, et je crois vraiment que nous devons tenir une réunion. Ma fille. Maman, par les dieux. Par les dieux. On a un problème. Que faites-vous chez moi?
à cette heure de la nuit. Maman, on n'a pas le temps pour ça. On nous a peut-être suivis jusqu'ici. Hein? On n'a pas assez de temps. Maman, écoute, c'est une histoire pour un autre jour, pour le moment. Oui. Nous voulons que tu nous aides à élever notre fils. Obias et quoi? Afin de le sauver du danger de Omunyebe, s'il te plaît. Oui, maman, on passera le voir de temps en temps. Oui. S'il te plaît, maman. Oui, tu sais, en fait, nous voulons qu'il reste ici, qu'il reste pour un moment afin qu'il soit en sécurité. Le temps pour qu'Omunyebe se stabilise et que tout revienne à l'ordre, nous viendrons le récupérer. Maman, je peux te promettre que tu vois... Tant que ce garçon sera en vie, tout ce dont tu auras besoin pour l'encadrer ne sera pas un problème. Nous lui rendrons visite et on va s'assurer qu'il ait tout le nécessaire, vois-tu, pour son éducation. Okay. Tant qu'il est en vie, s'il Maman, te plaît. Maman, s'il te plaît, fais attention à ce garçon. Ne laisse pas les inconnus le toucher haut. Ok. Maman, prends-le, s'il te plaît. Allez, Maman, prends-le. Maman, prends soin de mon fils, je t'en prie. C'est bon, on peut y aller, oui. C'est bon. Merci, maman. Okay, maman. Soyez sans crainte. Okay. Au revoir, maman. Au revoir, bébé. Je m'en charge. Maman. Allez-y. Soyez prudent. Mon petit-fils, t'es un garçon sage, n'est-ce pas? Doucement, touche pas. Ah! Ah!
Bonjour, papa. Ah, bonjour, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Dis-moi. Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon fils? Papa, j'ai cru que j'allais mourir avant ton réveil. Papa, premièrement, je suis ravi d'avoir retrouvé ma famille. Mais papa, mes propres frères et sœurs ne savent pas que je suis Obiasico, leur frère. How? Ah, papa. Fiston. Papa. Je le fais pour notre bien et à tous. Tu sais? Fais confiance à ton vieux père. Parce que je suis sur le champ de bataille depuis très longtemps. Pour comprendre que les morts ne restent pas morts longtemps. Papa, j'ai cru qu'au jour d'aujourd'hui, les menaces auraient cessé. Papa, nous parlons là d'il y a très longtemps. Je ne suis plus un enfant, papa. Papa, j'aimerais rejoindre ma famille. J'en ai marre d'avoir une fausse identité et d'avoir à jouer. Papa, j'en ai marre. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Papa, je te présente Ouzo, ma camarade de classe. Oh, Ouzo, dis-moi. Ah, comment est-ce que tu vas, ma belle petite? Je vais très bien, merci, papa. Là, n'allons-nous pas à l'école, nous sommes déjà en retard. Papa. Tu sais, ce n'est pas mon nom. Très bien. Alors, passez une bonne journée. Ok. J'allais me proposer de vous offrir un verre. Mais... Non, papa. Allons-y. Papa, okay. Papa, à plus tard. Au revoir. Il y a un cocologue, mon pro. On a un tchutchuna, tchutchuna, menin. Désolée de t'avoir fait attendre. Qu'est-ce qui t'a retenu? C'est le professeur. Tu sais ce qu'elle a dit? Quoi? Que ma jupe est courte. C'est court? Ah ah, mais elle n'est pas courte, voyons. Vraiment? Dis-moi, est-ce que t'as copié le devoir? Oui, s'il te plaît, allons-y. Avec ta grosse tête. Entre nous deux, laquelle est plus grosse? Tu me demandes, tu sais que tu as une grosse tête. Arrête de dire que j'ai une grosse tête. Mais c'est la vérité. Au moins, si je sais que ma tête n'est pas aussi grosse que la tienne. Écoute. Hein. Pourquoi tu ne souris jamais? Mais je souris. Mais pourquoi tu ris? À ce que je sache, lorsque ma tête est plus petite que celle de quelqu'un, ça veut dire que j'ai une grosse tête. Et lorsque ma tête est plus grosse que celle d'autrui, probablement cette personne a une petite tête. C'est l'heure de se dire au revoir, j'imagine. Oui. On se voit demain à l'école. Pourquoi tu souris à chaque fois que je te dis au revoir? Ou alors j'ai dit quelque chose de drôle? Non. Ok, pas de souci.
Tu as fait attendre ton ami. J'espère que tu ne fais pas du retard une mauvaise habitude. Parce que je connais ton père. Il ne voudra être en retard pour rien du tout. Oyebo m'a dit que vous l'avez ramené comme orphelin de Waliro. Connaissez-vous son père? Je suis maintenant une figure maternelle dans sa vie. Donc quand j'ai dit père, je parlais de son tuteur, Chief Lazarus. Ok. Hmm? On y va. Ne soyez pas en retard. Faites attention à vous. Au revoir, maman. Au revoir. Bye, maman. Bye. Ah ah. Que vas-tu dire de tes petites mains? Je n'ai pas de petites mains, je te l'ai dit. Elles sont petites, pas grosses du tout. Tu as vraiment des petites mains. C'est toi qui as de grosses mains. Tu as de grosses mains. Des petites mains. Petites mains. Ah, j'imagine que c'est ici qu'on se sépare. C'est à moi de dire ça. Aucune importance. Tu vas de ce côté, moi par ici. Alors, prends soin de toi. Pourquoi tu as tardé à venir? Je t'ai tellement attendu. Je suis désolé. Ma tante m'a envoyé faire des courses. Je viens de rentrer. Excuse-moi. Mon père m'a dit qu'il a épousé ma mère à ton âge. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Écoute, hein? Ton oncle, également mon frère, hein? A fait pareil. Alors amusez-vous. Amusez-vous. Hein? On y est beau. Monsieur. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Assure-toi de dire à ton oncle, mon frère, hein, à propos des frais de ton dernier examen. C'est juste 350 naira seulement, y compris le matériel de composition. Le tout fait 350 000 naira. Hein? Ok, monsieur. Ne l'oublie pas. Oui, monsieur. Ok. Allez-y, amusez-vous. Allons-y avant que quelqu'un d'autre vienne nous trouver là. Allons-y, allons-y. Tu as entendu ce qu'il a dit? Je n'ai rien entendu. Absolument rien. Non, c'est... Non. Pourquoi ces insectes me minimisent chaque fois que je m'assieds ici? Non. C'est parce que tu es sur leur territoire. Ils volent, ils chantent, comme bon leur semble, parce qu'ils sont à leur place. Bon après-midi, père. C'est pour enseigner votre professeur blanc à l'école que les insectes possèdent maintenant ma maison. Père, j'ai faim. Est-ce que mère a préparé l'igname comme promis? Vas-y, entre. Je t'ai gardé un peu. Qu'en est-il de ton ami, l'étranger? Ta mère m'a dit que tu as prévu l'amener à la maison pour le dîner. Père, Oyebo n'est pas un étranger. Si tu le traites d'étranger, alors comment vas-tu appeler nos professeurs blancs? Il est l'un des nôtres. Quelque chose d'intéressant et de très beau s'est produit à l'école aujourd'hui. Quelle est cette chose intéressante qui s'est produite? Ok. Tu sais qu'on prépare les examens de fin de semestre, n'est-ce pas? Notre proviseur, Oncle Ndoka, a fait appel à nous aujourd'hui. Il nous a mis en rang et il nous posait des questions du genre... Va droit au but, tu dois faire ma sieste. Oyingbo s'est présenté comme Obiasika Lazarus,
Le garçon dont tout le monde pensait être mort il y a plusieurs années. Je le sais parce que je l'ai demandé à mes amis. Surprenant. Tout le monde était du genre. Pourquoi? Comment? Quelqu'un? Entre là-bas. N'oublie pas de travailler de ce côté. Ce seront de très grosses ignames. D'accord, papa. Tu sais, on doit juste s'assurer qu'il tient debout et faire le nécessaire. Il faut également désherber autour de l'igname. J'ai fini d'abord ce côté et ensuite j'irai voir de ce côté. Ah, cette plante pousse bien. Ah. Mais les insectes s'en nourrissent apparemment. Nous devons la cultiver. Hein? Oui, papa. Ensuite, tu me retrouves. D'accord, dépêche-toi. Papa. Dépêche-toi. Quand tu termines, retrouve-moi. Pour qu'on aille voir l'autre site. Et s'il nous reste du temps, nous irons à la plantation. Oh. N'oublie surtout pas les semences. Les semences d'igname. Assure-toi qu'elles ne sont pas par terre. Là-bas, ok, papa. Aïe. Papa. Hein? Papa, je suis fatigué. Ah oui? D'accord, alors viens. Ne te donne pas trop de mal. On pourra revenir demain. Viens t'asseoir. En fait, nous devons rentrer à la maison maintenant. J'espère que ces femmes ont cuisiné un délicieux repas. Ah. Oui. En rentrant, nous jetterons un coup d'œil sur l'autre terrain afin de voir si nous avons de bonnes récoltes de sorte que demain, nous venons juste pour travailler. Hé, hey, hein? Papa. Et ça va? Tout va bien? Oui, papa. Et j'ignorais que... Ah, Nduka, tu es là? Ah, mais qu'est-ce que tu fais au champ? En temps normal, tu devais être en classe en train d'enseigner. Bonjour, Nduka. Ah, je te salue, mais tu restes silencieux. J'espère qu'il n'y a pas de problème. En fait, on m'a dit que j'allais te trouver ici. Notre tendre mère. Ah. Que ton âme repose en paix. En paix? J'ai une fois dit à notre mère que tu n'es qu'un homme fou. Mais elle m'a réprimandé. Attends. Quoi? Nduka, tu me traites, moi ton grand frère de fou. Ah! Chef Lazarus, si ce n'est pas de la folie, alors dis-moi ce que c'est. Hein? Quoi? Car un homme de ton calibre, dont ta quête d'avoir un fils, tu es allé là dehors. Ramasser n'importe qui, un orphelin, à qui tu as donné le nom de ton défunt fils. Ou bien c'est quoi? Oncle Nduka, je t'arrête là. Nous ne sommes pas en classe, donc je ne t'accorderai pas de respect. Oncle Nduka, s'il te plaît, que ce soit la première et la dernière fois que tu insultes mon père,
Je ne te le permets pas. Calme ta fiston. Calme-toi, mon papa, fils. Papa. Chut. Je calme. C'est quoi ton nom? Désolé, excuse-moi. As-tu un nom? Est-ce que tu en as? Ok. Je m'appelle Monsieur Ndoka Noirfort. Indigne fils de cette terre. Donc, tu ne dois pas ouvrir la bouche pour me parler. M'as-tu entendu? Je reviens à toi, Lazarus. Hey, tu me fermes cette bouche, Chief Lazarus. Laisse-moi te dire, Lazarus. Au cas où tu ne le sais pas, que toute chose que tu possèdes seront en moi très bientôt. Ah oui? Quand je dis tout, je parle absolument de tout. Quelqu'un ne peut pas juste débarquer de nulle part. Un sale bâtard. Et... Ndoka, tu me déçois vraiment. Tu sais, avant, je te croyais être quelqu'un de très intelligent. Tu vois, je croyais que, en tant qu'enseignant, tu étais intelligent. Mais je constate que c'est de l'eau que tu as dans ton cerveau. Tu es malade. Oh, c'est ça ton but. Viens t'en prendre. Viens prendre si c'est ça ton but. Idiot. Essaie pour voir. Fils, on prend ça, il est sans cet idiot. Papa. Si seulement tu n'étais pas mon frère, hein. Je garde ça pour moi. Papa. Prends ça et par contre. Papa, c'est à cause de toi que je... Porte ça, laissons ce malade. Papa, c'est à cause de toi que je reste calme. Porte ça et partons, laissons cet idiot. Oncle Ndoka. Oublie-le et partons. Espèce d'abruti, il n'y a même pas honte de lui. Que le tonnerre te foudroie. Mon cher fils, Obiazikwa, écoute-moi. Il ne faut en aucun cas tenir en compte les bêtises que racontait Ndoka. Que cela ne te préoccupe pas. Tu m'entends? C'est compris? Que cela ne te dérange pas? Ce n'est qu'un pauvre idiot. Papa, hein? Tu étais là-bas. Hein? Tu ne dormais pas. Cet homme, ton jeune frère, mon oncle, a ouvert sa bouche et m'a traité de bâtard. Il m'a traité d'orphelin. Papa, tu étais présent. Non. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Je sais ce que je fais. Hein? Ton père est un homme sage. Il sait exactement ce qu'il fait. Ton père est sage et il aime son fils. Il sait ce qu'il fait. Oui. Ton fils. Oui. Écoute-moi. Ndoka, c'est nouveau ça. Ndoka n'a jamais tenté ça avant. Mais écoute-moi. J'irai chez lui et je le confronterai par rapport à tout ça. Je ne veux juste pas que tu t'inquiètes pour tout ça. Tu es mon fils. Tu es mon fils? Oui. Depuis quand tu m'appelles fiston hors de chez nous? Ah. Je veux dire, en public. Mais voyons, c'était pas intentionnel. Désolé de t'avoir appelé papa dehors. Tu sais, j'ai l'habitude de t'appeler oncle Lazarus. Ou Chief Lazarus. Ou grand Chief Lazarus. Bah. Écoute, je déteste me répéter. Je déteste me répéter. Papa, tu vas devoir te répéter que je suis ton fils. Parce que tu es très entêté. Je tiens ça de toi. Eh oui. Papa, désormais, je devrais et je vais être interpellé en tant qu'Obiazikwa. C'est ça, Obiazikwa. Que plus personne ne m'appelle Onyebo. Non, jamais. Ce n'est pas mon nom. Aronaba. Il est hors de question que je me cache comme une vieille femme qui ne connaît pas sa gauche ou sa droite. Écoute, tu sais, c'est du passé. Nous sommes au présent. Tu es mon fils. Obiazikwa. Si cela fait des rageux, je m'en fous. Je ne veux plus être Qui ne t'aime pas ne te connaît pas. Ce n'est pas ton nom. Et ça ne le sera jamais. Je croyais m'être débarrassé de cette menace. Il y a des années. Au moins, j'avais plus de chances d'être meilleur que Lazare.
Oui. Ça ne se peut pas. Non, 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 non. Ces filles ne peuvent pas me défier. Moi, le grand galop. Non, 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 non. Qu'est-ce que je dois faire? Galop. Galop. Réfléchis. Réfléchis à ce que tu pourras faire. Ha! Bien. Galo. Ndouka. Papa, je vais être en retard Jean, à l'école. Attends, attends. Pour que tu ne dises pas que j'ai aimé tes frères plus que toi avant qu'ils n'aillent en mariage. Ma fille, chérie. Ça, c'est pour toi. Ah ah. Papa. Oui. Merci. Et ça, c'est pour ton petit ami. Celui que tu as rejeté? Maintenant, je connais son identité. Son identité nous avait été cachée, tu te souviens? Pourquoi la sienne est plus grosse que la mienne? Parce que c'est un homme. Et aussi pour me rattraper du temps perdu. Donne-lui ça. Papa, tu es un homme bien haut. Oui. Merci. Ah, tu as raison. Allons-y. Un éléphant qui se balade dans une toilette. Ok, c'est ça. Allez, on recommence. Un, deux, trois, quatre. C'est comme ça, allez-y. Continuez. Waouh. Ok, on reprend. Bim. Ok, ok, alors, on recommence. 1, 2, pâté. Bim. Ah, c'est de ce côté. Ok, baby, bim. 1, 2, pâté. Go. Bim. Bim. Marie. Ok, on reprend. Je vais te mettre une raclée cette fois-ci. Ok, allons-y. Ce pied. Je t'ai eu. Ok, à ton tour. 1, 2, allons-y. Je t'ai eu. Je t'ai dit que j'allais te mettre une clé. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Pour toi n'est pas juteux? Regarde. Laisse-moi ça. La presser. Tu n'aimes pas? Voilà, on est arrivé chez toi. Ok, n'oublie pas mon livre de mots. Je vais me rappeler. Bye bye. Oh, il y a ton ami qui attend. Bye bye. Ouzo, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais, non? Tu m'attendais? Ah, tu te régales, tu manges une pomme. Je peux en avoir? Ne t'en fais pas, j'ai la tienne. D'une couleur différente. Je savais vraiment que tu allais me demander quand tu me verrais la manger. Tiens. La pomme de la vie. Ah, attends. Allons-y. D'accord. Est-ce que tu sais que rien du tout ne me surprend? Ok. Du genre, rien ne me surprend plus du tout. Ok, alors, ça veut dire quoi? Du genre, même si tu me racontes n'importe quoi, je ne serai jamais surprise. Mais je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais me parler? N'importe quoi. Vraiment? Oui. Okay. Tu sais, j'ai menti sur mes compétences en natation.
je sais nager. C'est ce que tu veux me dire. Ouais, ouais, que voudrais-tu que je te dise d'autre? Alors tu n'es pas sérieux. Ça veut dire que je dois reprendre ma pomme. Donne-moi Pourquoi? Ma pomme. Pourquoi? Remets-moi ma pomme. Tu peux toujours rêver. Remets-moi ma pomme. Oh là, laisse tomber. Bonjour, Ney. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Bien, bien, merci. Je suis venue voir Oyembo. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas été à l'école. Et je sais qu'auparavant, il ne manquait jamais l'école. Alors, c'est vrai. Il est là? Oui, il est là, mais tu ne peux pas le voir maintenant. Pourquoi? Parce que Oyembo est gravement malade. Il est sous traitement maintenant. Mais t'en fais pas. Quand il ira mieux, il sera de retour à l'école. Je lui dirai que tu es passé, ok? Ok. Merci. Comment va ton père? Il va très bien. Merci, maman. Dis-lui bonjour de ma part. Ok. Bye-bye. Bye. Ma chérie. Bonne arrivée, papa. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse au point où tu ne remarques même pas ma présence quand j'arrive? C'est Oyembo, père. Ça fait 1 jour qu'il n'est pas venu à l'école. Il n'avait encore jamais manqué l'école. Même quand il allait jouer au football et qu'il s'est blessé, le lendemain, il est venu à l'école malgré ça. Je suis inquiète. Et c'est pour ça que ton visage est si triste. Écoute, ma chérie, quand tu iras le voir prochainement, je te donnerai un peu de mes aimables plus chers pour lui, afin qu'il guérisse. Tu vois pourquoi j'ai dit que t'es un homme bien sûr. Merci, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, va m'apporter un verre d'eau fraîche. C'est d'accord, papa. Bonne arrivée, papa. Merci. Ngalo. Je te l'avais dit. Je t'avais demandé de ramener ce garçon quand il est revenu. Mais non. Tu as insisté qu'il était préférable pour lui de rester sur sa terre natale. Regarde à présent. Chief, notre fils est très malade. Et cette fois... J'ai très peur pour sa vie. Ketty, ne t'inquiète pas. La guérisseuse nous apportera un mélange d'herbes qui évacuera tout ce poison. Il va s'en remettre. Oui. Ok, oh. Tifo, qui a bien pu empoisonner notre fils? Qui l'a fait cette fois-ci? Je ne sais pas. Je l'ignore. Écoute, à son réveil, je lui dirai de ne plus manger des trucs venant des étrangers. De ne plus manger à l'extérieur. Je vais le mettre en garde. Bonjour, papa. Comment tu vas, ma fille? Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien. J'aimerais voir Oyembo. Il est là? Oyembo est là. Il dort. À son réveil, je lui dirai que tu es passé. Non, mon père. Allez, ça va. Dis bonjour à ton père, ok? Ciao, Maléja. Bye bye. Chief, nos filles ne savent même pas
Konyebo et leur frère. Quand allons-nous leur dire? Nketi, le moment venu, nous leur passerons l'information. Ok, oh. Je vais aller le voir. Ok. Ouzo, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Papa. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mal au vent. Oui. Papa, j'ai pris un peu de ton médicament. Quoi? Tu as cette bouteille? Pourquoi? Ça n'était pas destiné. Non. Ok, attends. J'ai quelque chose. Attends. Non. Ne fais pas ça. Ouzo. Oh mon Dieu. Ouzo. Ne fais pas ça. Aïe. Oh mon Dieu. Ouzo. Oh non. Non, Ouzo, c'était pas pour toi. Aïe. Aïe, Ouzo, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon Dieu, aïe. Ouzo! Papa, que se passera-t-il si la lampe s'éteint à nouveau? Je la rallumerai simplement avec la mienne. Tiens, prends. Tiens. Donne-moi ta lumière. Dites-moi, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, Chief. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu as sursauté de ton sommeil. Eh oh, viens au corps. Ah, prends ton remède. Chief, quel genre de sommeil c'est que ça? Il ne réagit pas, oh.
Ça veut dire quoi, elle ne réagit pas? Il ne prend pas son remède. Attends. Il ne boit pas son remède. Chief! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Réveille-toi, Chief! Hein? Hey! Chief! Chief! Je le savais! Je le savais! Oh! Je le savais! Oh! Bien, c'est quoi? Chief! Chief! Je le savais! Je le savais! Mes ennemis sont à nouveau! Et où? Et où? Réveille-toi, mon fils! Nketi. Répondez-moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est mon unique garçon. Je n'ai jamais fait ça avant en tant que spiritualiste. Je n'ai jamais répandu du sang. Et vous m'en êtes témoin. Je n'ai jamais dit du mal. Je le fais. Je l'ai fait à cause de l'amour que mon père avait pour cette terre. Tiens, Okrike! Et Kwarem Gini! Okrem Gini! Et mon oncle! Et mon enfant! Mon envoyé commencé, mon envoyé Gini! Envoyé Gini! Je ne t'ai pas donné mon fils unique pour que tu l'avales! Où est-ce que j'ai fauté? Mon fils unique. Si jamais tu me prends celui que tu m'as donné. Oh mon Dieu. Vous vous en prenez un homme sans défense. Qu'est-ce fait de mal? Et madame Gimmy. Si vous avez de la dignité. Et si vous avez de l'empathie. Gardez mon fils en vie. Parce que je sais que c'est un garçon fort avec un esprit de guerrier. Oh père, répondez-moi. Je n'ai jamais répondu du sang. Vous m'en êtes témoin. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais prémédité le mal. J'ai oublié. Répondez-moi. Ayez pitié, s'il vous plaît. Je vous en supplie, allez vous l'arracher à un homme sans défense. Ah, non. Ne faites pas ça. Ah. Esprit de la terre, esprit du ciel, esprit des eaux. Dites-moi quelque chose. Répondez-moi. Ah, répondez-moi. Si tu es vraiment le dieu de mes ancêtres, alors réponds-moi tout de suite. Dans cette lampe, il n'y a pas de lumière. Que ta lumière me réponde. Qu'elle me réponde afin que je sache que je vous sers.
Madame Guérim, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? L'unique fils que vous m'avez donné, vous voulez me le reprendre? Un homme sans espoir! Montrez-le-moi, je vous sers! Ramenez mon fils à la vie! Il a un esprit de guerrier comme son père! Répondez-moi! Répondez-moi! Je veux voir la lumière dans cette lampe et que cette lumière ramène mon fils à la vie. Répondez-moi, répondez-moi. Ah, 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 ah. Il m'a pas promis, il m'a pas promis. Vous m'avez pris la seule chose. Okumala! Okumala, hey. Ça va. Ah. Oh Dieu. Vous m'avez tué, je suis humilié. Vous m'avez donné ce fils unique pour l'avaler. Non, non. Et moi, j'ai dit que... Ah! Oh! Ah! 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 Je le savais. Je savais que je n'allais pas. Ah. Et sois heureux, Tiv Lazarus. Bonne arrivée, mon mari. Oui, chère épouse. Bonne arrivée, mon mari. Où sont Nketi et Onyebo, mon fils adoptif? Nketi et tout le reste des enfants mangent à l'intérieur. Ah ouais? Ok. Mon mari. Hein? Comment vas-tu? Nous devons parler. Parler? Oui, Naï, oui. Y a-t-il quelque chose que tu ne nous dis pas? Parle-nous, nous sommes des femmes. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur pour vos bêtises. Ah. S'il vous plaît. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu ne peux pas nous laisser dans le noir. Tu ne peux pas nous laisser comme ça et prétendre qu'il n'y a rien. Gardez quoi dans le noir? Vous parlez de quoi? Mes chères épouses et mon cher fils, je suis désolé de vous avoir caché l'identité d'Obiazikwa. J'aimerais que vous compreniez tout ce que j'ai fait, tout ceci pour sa sécurité. Sa sécurité. Toutes mes excuses. Oui, mes chers épouses et sœurs, je suis vraiment désolée. Comme il a dit, nous l'avons fait uniquement pour sa sécurité. Biko, pardonnez-nous. Chioma. Biko. Mon mari, malgré tout cela, comment as-tu pu nous cacher une telle chose? Hein? Sommes-nous des meurtrières? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez nous cacher une telle chose aussi importante que ça? Où est le problème? Sommes-nous des sorcières? Bah non. Vraiment, ce que vous avez fait n'a pas de sens.
Hein? Thioma, idioma, je vous exhorte vraiment de me comprendre. C'est purement un cas de sécurité, est-ce que vous me comprenez? Hein? Nous en sommes pas là. Ah. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous pouviez se méfier de moi. Vraiment, je suis dépassée. Ah. Allez, mais voyons, arrête, arrête. Chico, chique, mama. Odigimu, odigimu. Odewa. On va pas en arriver là. Je voulais juste vous informer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, on va pas en arriver là. Je suis désolé. Vous savez quoi? C'était le tort sur moi. Biko, Biko, nous. Maman, je suis content d'avoir rejoint ma famille. Au moins, vous savez tous que je suis Obiaziko. Je voudrais vous supplier de pardonner papa. Il l'a fait pour mon propre bien. Je m'excuse une fois de plus, maman. Viens, mon garçon. Chai. Ah, merci, Seigneur. Bien là. Mon garçon. Bien, sois le bienvenu. Tout ça, c'est ce que vous dites, c'est que lorsque j'ai épousé chacune d'entre vous, je savais personnellement quand vous se trouvez à mon cœur. Tim, Tim, coucou, 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 coucou. Laisse ça, mon garçon. Ma sœur. Idjom. Chief Ungalo. Eh bien, mon esprit m'a dit que tu n'es pas du tout au courant de ce... Je sais que tu étais absent pendant ces deux derniers jours au conseil. Alors, tu n'es pas au courant de ça. Chief Ungalo, ne vas-tu pas te joindre à nous pour la célébration? Odo. Oui, je suis placé ici depuis quelques minutes. Je t'ai entendu parler de célébration. Qui célèbre quoi? Oh, tu n'es pas au courant. Eh bien, Chief Lazarus est venu nous informer que... Que nous croyons tous morts et encore en vie. Et il vit en tant que... Konyebo. Il ne s'est pas arrêté là. Il a été dédicacé une nouvelle fois à cette terre. Et ils nous ont invités pour nous joindre à eux pour cette célébration. Tout le monde est chez eux en train de le célébrer à l'instant où je te parle. Tout le monde célèbre? Oui! Obiazuko est en vie! Oui, tout le monde est en train de le célébrer. Non, mais c'est quoi cette odeur nauséabonde qui dégage de ta cour? Chief Odo, tu peux partir. Je vous rejoins. Chief Ungalo, une souris est-elle morte chez toi? J'ai dit pars, je vous rejoins bientôt. De toute façon, on l'a redédicacé une fois sur cette terre. Hein? Je suis en train de me rendre là-bas. Ngalo. Aujourd'hui, ma fille Ouzordima, je te rendrai justice. Je n'annoncerai pas ton décès. Tu ne reposeras pas en paix avant que je n'obtienne justice de ceux qui t'ont causé du tort. Chef. Chef. Chef Ngalo.
Chef Ngalo. Chef Ngalo. Non, non. Nous devons parler. Oui. Oh bien, c'est quoi? Oui, mon oncle. Félicitations une fois de plus. Merci, mon oncle. Tu sais, je suis vraiment très, très content. Hein, je suis très content pour toi. Très bientôt, dans peu de temps, on t'appellera chef. Oh bien, c'est quoi? Oncle. C'est ça. Je te remercie. Un tout petit garçon que j'ai connu depuis ta naissance. Tu sais, je t'ai porté. Regarde-toi maintenant. Aujourd'hui, tu es... tu vas bientôt devenir un chef avant moi. Merci, hein? Mon oncle. Mais c'est bon. Ouais. C'est bon. Une fois de plus, mes félicitations. Merci, mon oncle. Mes félicitations. Ça me fait plaisir. Hey, je suis vraiment très, très content pour toi. Oui, mon oncle. Hein? Oui. Je suis très content. Oui, mon oncle. Où est ton verre? Ah, je n'en ai pas un, mais je peux toujours aller en chercher. Oncle. Tu peux prendre le mien. Non, non, mon oncle, ça va, c'est bon, je peux m'en prendre un. Non, non, ça fait partie de la célébration. Pour te montrer à quel point je suis très content pour toi. Hein? Mon oncle. Vas-y, prends-le, prends-le. D'accord, hein? Mon oncle. Vas-y, bois-le. Ah, merci beaucoup, mon oncle. Oui. Mon oncle, j'apprécie vraiment le fait que tu m'aies amené ici pour me féliciter, tu vois. Bravo, bravo. Merci, mon oncle. C'est bon. Hein? Mon oncle, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Non, c'est bon, c'est bon. C'est d'accord, bon. Mon oncle. On peut aller prendre notre verre là-bas. Oui, mon oncle. Hein? Oui, mon oncle. Non, c'est bon, c'est bon. Viens, prends le gobelet. D'accord. Voilà, donne-le-moi. Mon oncle, je suis désolé. C'est bon, oui, mon c'est oncle. Bon. Oui, mon oncle. On va prendre notre verre, hein. Ok, ok. Quoi? Mes chers aînés, mes chères épouses et membres de la famille, je tiens à tous vous dire merci d'être venus. Vous devez sûrement vous demander pourquoi ce rassemblement. Lorsqu'il y a un rassemblement de cette nature, vous savez que quelque chose de grandiose est sur le point de se produire. Ce n'est rien, mais je tenais juste à vous faire savoir que Obiazikwar est mon fils, mon propre sang. Je sais qu'au départ, certains d'entre vous disaient que c'est mon fils adoptif et que c'est un orphelin. Écoutez, Obiazikwar est mon héritier. Il sera le prochain chef après moi. Anwa et Chetana. Deux. Domunyebe. Il sera celui qui héritera de toutes les terres et plantations que je possède dans ma famille. Et il sera celui qui gardera mon héritage en tant que fils aîné de cette famille. C'est ce que je voudrais vous faire tous comprendre. Alors, tout ce que vous pouvez voir là, c'est juste le commencement. Alors, c'est quoi? Le commencement. Oui. Donc, on commencera par là. Et parce que le commencement d'une chose est aussi importante que sa fin, pas vrai? Donc, au buffet, il y aura toutes sortes de viandes. Du pangolin, du porc épic, du hérisson. Tout. C'est ce que nous allons manger. Alors, c'est ce qu'on va faire. On commencera par là. Une fois qu'on aura commencé, le reste viendra tour après tour. C'est compris. On va se régaler. Hey! Hein? Que se passe-t-il? Doucement. Hey! Oh! Ah, ah. Pourquoi est-ce que tu cries aïe aïe? Aïe! 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 Ngalo? Aïe! Aïe aïe aïe! 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 Ngalo? Ah. Papa, t'es sûr qu'il va bien? Ngalo, pourquoi est-ce qu'elle crie aïe aïe? Mais c'est à lui de nous le dire, de demande-lui ce qui ne va pas, hein? Mes chers frères anciens. Il plaisantait.
Galizard. J'ai cru que je pouvais réunir ensemble tous ceux qui auraient pu me rendre riche comme Lazarus. Hey. Ah, pourquoi non? Je croyais avoir coupé son espoir d'avoir un fils. Aïe, 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 aïe. Ma fille, où? Elle est couchée sans vie dans la chambre. Aïe. Mon Dieu. J'ai empoisonné Obiasika. Quoi? Mon Obiasika. Hein? J'ai empoisonné Obiasika. Au travers de mon fils. Je lui ai donné une pomme. Mais elle en a pris une bouchée. Donc j'imagine que c'est la cause de sa mort. Chief! Bien. Qu'avez-vous fait, Ouzan? Laisse mon fils, laisse. Ne t'en fais pas. Papa, je vais tuer cet homme. Non, ne le fais pas. Recule. Mon fils, papa, attends, calme-toi. Je n'ai rien fait, ma fille. Je lui ai juste donné une portion pour finir avec Obiasika. Mais elle en a bu. Et maintenant, elle est morte. Oh. Son corps est couché sans vie dans ma chambre. Oh! Hey. Oui, dans ma chambre. Hey. Oui. Hey. Oui. Ça m'a contrarié. Et j'ai décidé de finir avec tout le monde. Ndoka. Hey. Oui. Qu'est-ce que Ndoka a à voir avec ça? On lui a payé pour qu'il finisse avec toi et ta famille. Eh oh! Ndoka! Ndoka! Qui? Ndoka! Moi! Il m'a payé pour que je finisse avec mon oncle et ton fils! Hey. Afin d'hériter de tes biens et de tes propriétés. Regardez-le! Ne l'écoutez pas! Hey. Ne l'écoutez surtout pas! Ndoka! Cet homme est un menteur! Le fait que... Je vais avouer. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais avouer. Parle. S'il vous plaît. Vas-y. S'il vous plaît. Ndoka, il est mort par honte. Ok. Oh. Pitié. C'est incroyable. Je voulais avoir tout ce que Chief possède, tout ce qu'il a. J'étais tellement, tellement jaloux. Ah! En fait, j'étais tellement jaloux de toi. Aïe! Mon Dieu! J'étais jaloux de toi. Et je pensais que j'étais celui qui devait réussir. Nobia. Tu es un illettré. Et moi, je suis le plus intelligent. Mais je n'ai pas réussi. Tu as beaucoup de terre. Et ce n'est pas tout. Regarde toutes les belles femmes que tu as. Je voulais juste... Ce n'est pas croyable, ma sœur. J'étais entendu dire que tu souhaitais épouser une quatrième. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'ai même pas une seule. Juste une seule. Que je t'entende juste une. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Tu es censé me donner tout ce qui est à toi. Tu es là, tu cherches un fils. Tu cherches quelqu'un qui ne sait rien faire pour que tu lui donnes tout. Pourtant, je suis là. Mbwasi Aka. Mbwamba Mwanu Aka.
Hein? Lazarus. Lazarus. Je suis très très jaloux. Je suis très très jaloux. Mon oncle, mon oncle, tu es vraiment très méchant. Tu es vraiment très méchant. Je prie que les dieux de nos terres te frappent à mort. Calme-toi. Les dieux lui règlent. Je suis de mon fils. Les dieux combattent pour toi. Ça suffit. Bien. Tu calmes, hein? Dieu, mon cœur. Calme-toi. Lazarus. Qu'est-ce que tu cherches? Lazarus. Hein? Mes yeux. Personne ne va t'aider. Non, c'était lui tout ce temps. C'est bien fait. Voilà. Lazarus. En tout cas, Lazarus, mes yeux. Mes yeux. Lazarus. Le quoi, Numa? Et même. Oh, Kola Kamo. Hey. Hein? C'est l'œuvre de mes mains. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Vous croyez que je devrais vous suivre dans tous vos plans maléfiques? Oh! Que quelqu'un m'aide. Lazarus. Et moi qui croyais que tu étais mon frère. Aidez-moi. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Pas du tout. Non. Funeji. Donc, comme ça, c'était lui. Lazarus. Lazarus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Comme ça, c'était toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.